Donc, vas-y, tu vas faire. Tu m'envoies dans le portrait. Il y a quelques années, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Ça, t'es venu chez ta petite fille. J'ai venu avec ma fille Lily. Toi, je l'ai vu dans une patinoire. Oui, vas-y donc, Martin. J'ai juste une petite question. Quand on fait nettoyer nos vêtements de magie, c'est-tu important d'expliquer que c'est des vêtements de magie? Ben, ça m'est arrivé. Je sais que tu vas en venir. Hein? Moi, mon tapette, ils ont tout cousu. Tu sais, un tapette. Oui, oui. Une poche, une panne, une panne de faveur, qui ne fait rien de cousu. On peut dire, j'avais de mes pantalons de poche secrète dans la forme même. Ils ont cousu la poche secrète. C'est ça. Alors, est-ce que vous saviez avant de faire votre spectacle que la poche était fermée? Bien évidemment, je sais que vous avant. Hein. Ah, mais oui. Je ne m'en sers pas gros, très peu. Vous laissez ça à la carte routière? Ah, oh, ben, il l'a l'affaire. Ça, c'est l'école que j'avais, ça. Si vous avez, OK, vous aviez une école de magie. Oh, oui. Ça ici, 12 semaines. S'il y avait. La Noël, pas la Noël, la Chenet, il y avait Saint-Eustache, il y avait une autre place aussi. Puis il y a trois, j'ai eu des cours privés, il y a Poussier, il y a Magic Beau, il y a Jean-Noël. D'ailleurs, on s'en va rendre visite à Calpoutier. Bonjour madame, ça va bien? Bonjour, ça va? Alors, on vous a vu sur photo, là, je vous reconnais, je pense. Ouais. Tiens, mon gars, je te regarde sans souvenir. Il est pas fou. Ça, c'est le premier job que j'ai eu ici en arrivant au Canada en 87. C'est Michel, tu connais Michel? Michel Noël? Non, dans le sérologue. Non, ça manque de la peinture. Ah oui, il était, c'est gars, tu connais certains, mais ah ouais. il m'avait trouvé ce job-là. C'était 100 pièces par soir, c'était pas mal. Quand vous dites que vous reveniez au Canada, vous étiez où? En Floride, 10 ans légalement. Vous avez habité 10 ans légalement, oui, en Floride? Oui. Okay, ça, j'ai encore mon passeport, mon visa et tout. Vous faisiez quoi en Floride? Ben, c'est ça, je faisais des petites photos pour monter dans la. Ah oui, c'est vrai, vous êtes photographe aussi. Oui. Vous, c'est vrai, vous m'avez déjà montré votre diplômé de New York. OK, bien, je connais ça, je vais vous filmer ça tantôt. Ouais. Ça, ben, tu connais ça, c'est. Voyons. Blackstone Jr., il est mort. Le fils, il est mort. Oui, c'est ça, il est mort, hein? La nuit qui flotte. Ouais. Ça, c'est chez moi avec Paul Thériault, un artiste bien connu. Jean Grimaldi, le papa des artistes. Oh, ouais, de New Orleans. Ça, c'est Grimaldi. Quelques-uns des 10, des 11 disques que j'ai faits. Histoire cochonne, autre histoire cochonne, Stefano, un rire à minute. Écoutez, là, vous avez fait des disques aussi? Oh, 11. Alors, vous faisiez des. Des 33 tours, comme en haut là-bas. Martin, quelle heure est-il, toi? Alors écoutez, nous on s'en va rencontrer Carl Cloutier aux habits Saint-Eustache. C'est Ephraim et salut. On vous salue. Salutations. Puis écoutez, je vous remercie. Puis ben. Quelle position sont choses à Carl? Oui, ben va tout filmer ça tout de suite. Puis toi, le gars, tu travailles bien fort, tu te lèves de bonheur. Les sont rouges, les violettes sont bleues, va être aussi grosse que moyen d'eux. On va être Stefano, Carl de Vaux, puis let's go. Ça, j'ai toujours dit ça pour les enfants. Ah oui? Et avant de rencontrer sa rue, c'est crotte de veau, let's go! C'est bon. T'es équipé, mon gars. Ah, je m'en vais, on pense à la télé à soir. Moi, je m'en vais dans ma vie. C'est vous, Carl Cloutier, c'est ça? Non. OK, c'est vous, Carl Cloutier? Moi non plus. C'est vous, Carl Cloutier? Non, non. C'est vous, Carl Cloutier? Non. C'est pas vous aussi? Vous avez une bonne voix quand même. Ah ouais? Ah oui, je trouve que vous avez une bonne voix. Il y a une voix d'animateur. Ben oui, c'est ça. C'est qui? C'est qui, Carl Cloutier? Hein? Qui, Carl Cloutier? Entre la jupe et la colonne. C'est entre la jupe et la colonne. C'est presque poétique, salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Plaisir, Martin. Moi, c'est Bob. Oui, ben Bob, on vous connaît, M. Bob. Je suis obligé de faire quelque chose, Carl, que quelqu'un m'a demandé de tiens ça comme ça, ici, oui. Tu ne bouges pas. Alors, tu, oui. Tu le cales. Alors, regarde, je suis obligé de te faire ça comme ça, regarde. Un mec? Oh, c'est qui m'a donné ça? J'espère qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Robert Baudet. Ah, Robert! Eh bien. Puis Gary te fait du bonjour aussi. Ben, salut Gary, puis Robert. Attends, je t'en donne un autre. Ah, carré! Mon petit Robert, que ben oui. Il aimerait qu'un Cloutier lève sa main. Je peux voir, moi. Peux-tu y aller? Est-ce que ça te dérange? Non, non, ok. Non, mais écoute, moi. Moi, de toute façon, qu'est-ce que je fais en général, c'est que je fais un premier montage. Je l'envoie à la personne. Oui, je l'envoie à la personne. Là, elle me dit, non, je ne veux pas qu'on voit ça.
où ça finit que tu vois, comme lui, je pensais jamais d'être filmé, lui qui est là. Excellent. Excellent. Ouais. Tiens, ça, t'as une heure là-dessus, c'est un show live, mais t'as bien du stock, tu vois. C'est tout le gros stock que j'ai jamais fait. C'est un cadeau? Puis explications. Des fois, je fais répéter les gens. Qu'est-ce que tu disais? Carl, si je te dis, comment pourrais-tu prouver à monsieur que t'es magicien? Si je te le donne, ça va me coûter 50. Fait que je vais le faire. C'est le billet, c'est petit. Et là, tu vas voir, il va changer de couleur. Oups! Ça va vraiment bien pour moi. Incroyable. Alors, on appelle ça un magicien. Ah, un vrai magicien. Moi, si j'étais lui, je vendrais ça ici, puis je prendrais des 50, j'en ferais des 100. Ça aussi, il y a du moins, c'est de la collection de dégâts. Il est mort, lui. Ah oui, c'est notre canon canadien, ça. De Gunning. Page S51, je pense. J'ai regardé. Dans ce temps-là, ça, c'est en 99, là. Les prix, ah oui, 87. Les prix, ça a triplé depuis ce temps-là. Je ne sens pas de mots. Je veux dire, comme je dis souvent, que tu vois, comme lui, je ne pensais jamais de le filmer, lui, qui est là.